là. Ah oui, il fait la rouge, ce qu'on devient. Il fait la malade, thank you.
Je suis vraiment désolé, hein, vraiment, là c'est sincère, je suis désolé que notre équipe adverse soit arrivée si tardivement. J'ai peut-être un petit souhait, une petite demande. Si l'on pouvait faire que le football congolais soit grand, il faudrait qu'on mette les joueurs dans des conditions. Parfois, c'est vrai qu'on s'attache au fait qu'il y ait des gens qui nous donnent de l'argent ou peu importe, mais ce serait bien qu'on aide le football congolais, parce que moi, j'aurais préféré jouer avec eux et les battre dans des meilleures conditions pour eux. Voilà, ça, c'est ma petite note qui est un petit peu... je ne sais pas, c'est pas de la pitié, mais c'est dire que le football... Ça ne peut pas se jouer comme ça. Il faut qu'on trouve des moyens au niveau de l'État, au niveau de la fédération, au niveau des clubs, au niveau des partenaires, d'aider le football congolais. Et ça passe par les joueurs soient dans les meilleures conditions pour jouer. Maintenant, sur le match en lui-même, effectivement, nous, on a profité de cet état de fatigue de l'équipe adverse, puisque je ne veux pas me cacher, hein, j'ai demandé à mes joueurs de jouer sur la fatigue du transport, puisque quand nous sommes arrivés au Soudan, on a senti la même fatigue. Donc c'était un peu plus facile pour nous. Où je tire mon chapeau aux joueurs de chez eux, c'est qu'ils ont, tenu la dragée haute, ils ont donné le maximum de ce qu'ils ont pu. Et chez moi, ils ont pratiqué le football que moi j'apprécie, le ballon au sol, en permanence au sol. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on a finalisé, c'est vrai, pas mal d'occasions. On doit les finaliser quasiment à 80% et on sera plus à l'aise. Et le plus gros problème que je reproche est... Tout le monde me dit que la défense n'est pas bonne, etc. Non, c'est de la concentration. On offre encore un but parce qu'on est déconcentré. On trouve que le football est facile. Le football n'a jamais été facile. Et tant que le sifflet n'a pas retenti, il faut rester concentré. Parce que sur cette erreur-là, il y avait 3-1. Sur cette erreur-là, on prend un deuxième but derrière, on se met en difficulté. Donc, il faut que je travaille davantage la concentration et l'investissement des joueurs. Bravo de l'équipe... De Nuki qui est venu, qui nous a tenu la dragée haute pendant 25 minutes, c'était ce que j'avais escompté. Et puis le football malheureusement se joue avec des capacités physiques, des capacités mentales et tout ça, ça peut défavoriser une équipe. Et de l'autre côté, on a failli tomber dans le piège de la facilité et c'est bien. On a vu un match relativement intéressant. Vous allez certainement me parler des individus, mais je pense que collectivement, on a été plus intéressant qu'individuellement. Ok, bon. Pour moi, c'était un bon match parce que Daring. Oui, c'est vrai, nous avons eu les problèmes de notre bas parce que notre effectif vraiment était diminué. Mais le comité s'en charge parce que dans des jours, il y a d'autres joueurs qui vont venir. Parce que nous avons eu les problèmes de la place. On n'avait pas moyen de venir avec tous les joueurs compte tenu de la place que nous avons eu à la CA, à la compagnie CA. Départ. Et il y a eu beaucoup de départs, et au moins 4 et 5 joueurs qui sont partis et dans Manier Maïgno, d'autres dans d'autres sièges. Mais il y a ces problèmes, jusque-là, nous qui n'avons pas encore recruté. Donc nous continuons à jouer avec l'effectif qui est resté de l'année passée. Mais durant les mercato, je crois qu'on va renforcer l'équipe. Moi personnellement, je viens d'arriver, ce n'est qu'hier que nous qui m'avait contacté. Donc je n'ai même pas fait aucun entraînement avec la Sinyuki. Donc je vais commencer demain comme décrassage et ainsi de suite. Bon, ok, je crois qu'on a... Alors, autant de ratés, je ne suis pas d'accord avec vous. Plus de ratés que de buts marqués, parce que je pense qu'en première période, on a, en duel face au gardien, on a 9 occasions. Et on en met 2. C'est beaucoup, c'est juste la situation de la dernière situation, c'est que quand on a réussi quelque chose, on se déconcentre. Le cas de Amal et Moukoko, il a réussi, tout le monde a crié, il a laissé déjà vu marquer. Le football, c'est pas ça. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut qu'on change, parce que si Amal a fait ça, derrière, Kayembe a fait la même chose, donc c'est que de la concentration. Et ce que je vais leur dire, c'est que quand on respecte un adversaire, aussi fatigué soit-il, si on a 19, on en met 18. Si on a 15, on en met 14. Et si on se laisse aller sur la facilité, le jour où on va avoir de la difficulté, on saura pas comment s'en sortir. Donc, on va se concentrer davantage sur les actes et pas sur les situations. C'est ce que je venais de vous dire il y a 2 secondes. Je n'évalue pas les joueurs individuellement. Et ça, quand je le dis, c'est pas pour éviter la question. Ça n'a jamais été mon principe de jeu. Mon principe de jeu reste collectif. L'écouta était bon, comme Thomas Zotto, comme Kone, comme...
à Malé, comme le petit Enoch. Je pense que collectivement, on a été bon. Mais ce match-là, je ne pense pas que ce soit la vraie référence compte tenu de la fatigue et du voyage des adversaires. Je ne dis pas qu'on n'aurait peut-être pas fait la même chose. Je dis que là, il ne faut pas se laisser erroner par des situations comme celle-là. D'ailleurs, on a pris un but parce qu'on a été très facile. Donc, la note, tout le monde va dire, ah, le petit William, il va être à 9. Moi, je dis que le petit William, il est à la même note que toute l'équipe. Et Daring a joué un beau football. Vraiment, je suis satisfait du... C'est vrai, je ne suis pas satisfait du résultat, mais ça arrive, c'est un match de football. Et chez nous, nous avons aussi les problèmes, nous avons eu les problèmes de la fatigue, parce que nous sommes arrivés, nous avons quitté à Goma à 12h30, arrivé ici vers 15h, donc vous voyez tout ça directement au stade. Même à cette heure, nous ne sommes pas encore installés. Vous voyez, donc vous avez vu qu'à la deuxième période, nous étions vraiment foutus, il n'y avait pas moyen. Les enfants étaient vraiment au bout du souffle, et c'est comme cela qu'on a encaissé 3 buts de suite. Ok. Nous allons vite oublier cette défaite parce que ça passe. Préparons déjà les matchs de Renaissance parce que nous jouons les 8. Ça c'est déjà oublié pour nous. Nous devons tout faire comme nous jouons les maintiens. Il ne faut pas se laisser faire. Nous devons tout faire, se préparer comme nous aurons le temps de récupérer. Je crois que ça sera un autre match que vous allez voir. Ok.